الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله تمسكوا بكتاب الله والسنة نبيه تفلحوا ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Tout grandeur pour Allah, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons son grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et Allah son serviteur, et Allah son messager. Le Ramadan, c'est un moment spécial dans la vie d'un croyant. Spécial pas sur l'objectif et pas sur l'effet qu'il y a dans la vie chaque dimanche, homme, madame, enfant, personne âgée, riche, pauvre, qui vient à sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala dans sa sagesse, il nous dans chaque année 365, 366 jours, 335 jours, le timetable est pour toi. Mais 30 jours là-dedans, c'est moi qui fais le timetable. Pendant 30 jours, Allah Ta'ala invite nous tous pour suivre un training, une stance intensif qui roule pendant 720 lieux de temps, obligatoire dans chaque année. 720 lieux de temps. De tirer pour un training qui m'a prescrit pour toi. L'objectif, ce training-là, Allah dit à verset qui m'a lié dans l'introduction. D'ailleurs, tout le monde s'est dit, vous avez un verset Coran qui tous les années autant de, un hadith qui tous les années autant de. Mais seulement, sur l'importance de Ramadan, c'est qu'un des plus grands dangers qu'il y a, c'est qu'il ne faudrait pas, que Ramadan vienne une routine. Faudrait pas. Qui nous garde aux apports l'habitude. Lever, un certain l'air, manger, après une douzième temps, sans manger, sans boire, juste dans son aspect physique. C'est une véritable trahison de l'essence de Ramadan. C'est pour ça qu'à chaque fois que Ramadan vient, il est important de nous remettre le sens. Le sens. Qui fait Allah t'a prescrit sa training là. 720 lieux de temps. Allah t'a moins que où nous vivons l'ON, régime à part. L'objectif, la'allakum tattaqoun. Ou bien qu'il y a iman, rosa fin fait faraz. Pour vous autres, pareil comme les faraz, c'est obligatoire. Ou bien qu'il y a avant vous autres, la'allakum tattaqoun, afin qu'ils développent une relation spéciale avec moi, afin qu'ils développent une relation spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala, une relation qui a trois dimensions qui vous sont présentes. L'amour pour Allah, l'espoir dans Allah, et la frayeur pour Allah. Trois dimensions qui font taqwa. Or, les mêmes taqwa, pour comprendre les dimensions, tout est la vie. Ou même qui me dit bout, pour qu'on dise des trois petits bouts de taqwa. Les dimensions, tout est l'expérience. Et finalement, taqwa, ou pas trop capable d'exprimer ça, ou vivre, c'est quelque chose qui est interne, qui est intime, qui est profond dans nous, qui sens tout dans nous. Le sens, nous visions la vie, nous visions l'amour, nous conceptions souffrance, nous conceptions jouissance. Nous conceptions plaisir, nous conceptions douleur, nous conceptions la vie, nous conceptions profit, succès, tout sensé.
quand la taqwa rentrait. Et nous redire, premier point, c'est qu'il veille qui nous ramadan. Il va venir dans le ramadan dans la routine. Parce que la routine, c'est un poison. C'est un poison pour l'amour. Et ramadan, tout dans ramadan, ce commence jusqu'à finition, c'est l'amour. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour pour ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'amour pour ibadat. L'amour pour Coran. L'amour pour nos bons frères. Tout dans ramadan, il centre nos notions de l'amour. Et nous redire, un des poisons pour l'amour, c'est la routine. Veillez qu'il ne nous pas fait un amas par routine. Qu'il ne nous pas lever pour série par routine, sans qu'il nous comprenne qui faire. Et vivre dans une telle habitude qu'Allah absent nous fait tout d'une façon mécanique. Non. Dans l'islam, c'est le sens qui est important. Donc, premièrement, Ramadan, ça qui dit pas été, Ramadan, c'est pas un régime. Ramadan, dans cette définition, dans ce sa mot la même, Ramadan, c'est salaire. Salaire. Un salaire intense. Un salaire fort. Un salaire, quand là, effectivement, mon besoin vient briller l'instinct. Tout ça qui est négatif dans moi. Ça, l'appétit exagéré pour plaisir, pour manger, pour boire, pour sexe, pour l'amusement. Ramadan, il vient pour briller ça. Ramadan, peine ville pour qu'il manque nous, manque où nous passons Ramadan pour nous perdre 4-5 kilos la graisse. Pour qu'ils calent son petit serré l'eau nous revinzis, pour qu'ils nous capables d'essayer un bœuf pendant 11 mois qui viennent. Non, Ramadan, peine vient pour une dimension physique. Ramadan, c'est l'intérieur. Ramadan, il a trait avec l'amour Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a nous guette tout bon hadith. Nous vous trouvons sa dimension l'amour là qui est présent. Si nous ratons sa dimension l'amour là, tout sans est. Nous abordons Ramadan comme une pénitence, comme une punition, comme un calvaire. Imagine, nous tous qui avons nous tendu, week-end dernier, qui quand c'était parmi nous, même parmi nous, proches, et tu connais le dernier week-end, la profite d'occasion, dernière expiation, dernier la mer, avant, ça fait là commencer lundi, dernier la mer, dernier coup d'almanzé dans le restaurant, dernier visite Côte-Belle-Mer, absolument, on dit l'Alcatraz qui est ouvert, tu vas rentrer pendant 30 jours dans l'Alcatraz, qui c'est une trahison du sens même de Ramadan. Ramadan n'est pas du tout un Rab, un bon Dieu qui prend plaisir dans tout ce monde créatif, il impose une privation, impose une restriction, impose un sacrifice, parce qu'il lit, sa bon Dieu-là, il a plaisir dans tout ce monde créatif, nos amis. Ramadan, c'est un simé qui fait nous vivre dans un grade spécial de considération Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que tout dans le hadith concernant Ramadan, nous trouvons ça, ça considération spéciale qui est là, qui garde rosa. Spécial. C'est pour ça que nous trouvons dans un hadith qui est bien connu, vous trouvez dans tout le livre concernant Ramadan, dans tout le pamphlet, quand nous comprenons que tout le bon action que les enfants Adam font, ils gagnent 10 à 700 récompenses. Pour tout le bon action que les enfants Adam font, ils gagnent 10 à 700 récompenses. Mais Allah dit Illa saoum, fa innahu li wa ana ajizibi. Excepté rosa. Rosa, c'est pour moi ça. C'est moi qui donne ce récompense. Comme je dirais lundi avec mon Faris, mon Mokarraboun qui écrit, pas écrire mon banda sur Rosa. Ça aide moi Rosa, là, pas écrire sur ma récompense. Récompense qui est là pour ça que Subhanallah, pour ça que Alhamdulillah, pour ça que Allahu Akbar, pour ça que La ilaha illallah, pas écrire, tu n'es pas capable d'écrire toi. Ce compte, c'est moi qui garde ça. Absolument, on a peut-être un kiken, imagine une propriété, une grande entreprise. Il fait appel à son comptable, il y a un tel sur compte, pas besoin de garder toi. Ça, moi-même, personnellement, je garde sur compte. Ça, débit de crédit, moi qui garde. Pas garder parce qu'il est trop proche avec moi, mon père amène un troisième du monde rentre dans sa relation avec moi avec lui. Ça, Ramadan. Ça commence parce que dans sa finition, qui même quand on finit aller, là, aujourd'hui, nous pouvons assiser. C'est un moment où on a senti boule gaz la montée. Bien vite, vous pouvez vivre, bien vite. Bien vite, vous retrouvez au même moment où vous avez eu l'île. Ça t'y douleur, ça t'y maudit la fin pour finir ça. Mais quand Allah t'a dit pour l'escalier d'éternité, Allah dit à Zoukriyama, et dans le paradis, il y a la porte spéciale. Ça, la porte là, on réserve ça pour les gens qui regardent Rosa, Ar-Rayyan. Parce que ça, maintenant, c'est une élite spéciale pour moi, ça. C'est une invité spéciale dans le paradis. Je dis qu'on fait moi, il y a des Taïwan, avec une fille qui a mis 50 plats là-bas de côté. Ça, il y a une
bon une bande invité spécial pour venir la présidence, son madame, son belle fille, son belle sœur pas mort hier avec tout là-bas. 50 10 monde là mettant l'équipe service spécial ça hein. Quand je vidéo j'ai un deck spécial pour casser pour vous. Allah donne un service VIP pour bande de monde qui garde rosa. Et puis ça commence qui vient. Qui fait pour que ça n'ait un service pour quelqu'un qui a une considération spéciale. Quand Allah dit pas écrire récompense pour mon serviteur qui garde rosa. Parce que Rosa est pour moi simple. C'est moi qui donne son récompense. Mais Allah donne son garantie que pour chaque monde qui garde Rosa, il y a des moments de joie intense. Un calibre sur compte. Quand vous regardez pour chaque subhanallah, quand il récompense l'un de nous. Allah dit, je connais tout pour content ce jour-là. Garantie que je donne toi. Parce qu'il est spécial pour moi, toi. Chaque namaz d'affil qui te fait. Chaque investi Coran qui te lire. Chaque indikrullah qui te fait. Chaque sadaqa qui te donne du monde misère, sa récompense pendant Ramadan, c'est moi qui vous donne toi et me donne un ciel garanti, tu peux être extra content. Parce que c'est une surprise qui me réserve pour toi. Surprise, je fais avec ça. Surprise, nous faisons qui nous plie content. Pas bon pour qui nous content. Nous comptons imam, tamazi, ça veut nous mazine. 25 manèges, ça veut nous faire une casse de donner une surprise. Nous faisons surprise avant qui nous plie content. Man qui, dans un cercle intime, proche, pour ça, maintenant que nous faisons surprise, Allah ta fait, nous connaissons que nous à travers sa rosa, dans quel dimanche nous rentrons. Dans un cercle sélect, dans un petit groupe de monde qui est bien spécial pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa privilège là, ça. C'est sa privilège là, ça. Et tout nous redire. Nous ne pouvons pas garder rosa pour un rab qui est punissaire, qui est rigide, qui est sévère, qui est autoritaire, qui prend plaisir dans le punition de la serviteur, qui prend plaisir dans l'impose, dans la restriction, dans le sacrifice, dans la privation de la serviteur. Non. Ramadan, c'est un simé qui fait nous rentrer dans un groupe spécial que l'Allah a et dans une relation spéciale pour nous autres. C'est ban rosedar. C'est ça, Ramadan. Et quand nous comprenons ça, et ça, il revient dans le hadith que le prophète, que Allah a lui-même dit, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Aucun mot bon serviteur, pas pour qu'on va approcher avec moi, excepté par ce qui me décrète comme faraz. Aucun mot bon serviteur, pas pour qu'on va approcher avec moi, excepté par ce qui me décrète comme faraz. C'est-à-dire, namaz 5 fois par jour, rosa de Ramadan, zakat si on a moyen, hajj si on a moyen, à travers un faraz, nous approchons avec Allah. Et de l'approche avec Allah, il y a différents niveaux ça. On commence à penser avec Allah, dans ce niveau, on rentre dans l'amour Allah. Il a dit, « وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. » Et mon serviteur, je continue à penser avec moi avec Nafil, « حَتَّى أُحِبَّهُ. » C'est quand je commence content, je commence à verser l'amour de l'autre. Je commence à envelopper l'autre dans mon grâce. Je verser mon bénédiction de l'autre. Ça, c'est un autre niveau, ça, à travers Nafil. Je veux dire, 17 à 40 pharas, tous les jours, 17 à 4. Après ça, il y a sunnat. Mais 12 sunnat dans la vie, 2 avant Zohar, 2 avant Fajr, 4 avant Zohar, 2 après Zohar, 2 après Maghrib, 2 après Isha, ça, 12 sunnat là, Allah j'aimerais réserver une villa de paradis pour vous. Une villa de paradis. Vous connaissez ça? Pas qu'à imaginer ça. Un jour, je vais vous une villa de Pérébé. Alhamdulillah, vous connaissez. Si vous avez un pouce, je vais vous une villa de Dubaï. Je dis, Dubaï, pas de ça là-bas, toi. À ça, là, il y a une villa dans le paradis. Oubliez Dubaï, oubliez Jumeirah. Dans le paradis. Une villa où fait 12 à 4 nafil. À ça, là, il y a un nafil, nous avons l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces arabes-là, ils sont toujours conscients de tous les efforts qu'ils ont fait, qu'ils m'ont fait, qu'ils nous font pour gagner son amour. Et à travers un nafil, nous approchons avec Allah. Quand on comprend ça, ça veut dire que chaque nafil qu'ils nous font, c'est un pas vers l'amour d'Allah. Chaque. Un rakat tarawih qui m'a fait, c'est un pas additionnel vers l'amour d'Allah. Chaque un subhanallah, un alhamdulillah, un Allahu Akbar qui m'a dit, c'est un pas vers l'amour d'Allah. Quand il y a ça dans moi, tout changé. Les lames commencent à adorer Allah avec passion, avec l'équerre. Quand on comprend que chaque un sacrifice qui m'a fait, c'est un pas vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait comprendre que ça bon Dieu, pour qu'il ne me garde rose là, c'est un bon Dieu qui est loin, qu'on nous dit, un bon Dieu qui est indifférent. Non, il est avec nous. Il est avec nous, qui dans ma grâce, dans le cas de Bekos, concernant Ramadan, il a arrêté pour lui ouvrir une parenthèse, pour lui dire à Muhammad, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Quand mon serviteur pose toi question concernant moi,
mon proche avec les autres. Il n'est pas rien. Mon proche. Sa proximité là, tant là, la fin peut mourir. Ton madame pas connaît, ton maman pas connaît, maman connaît. Chaque sacrifice, chaque milliseconde qui te souffre la faim, la soif, la cause, moi, je connais mon conscient. Et donc, Allah n'est pas dit je connais, mais il nous garantit qu'il dans son relation entre nous avec lui. C'est ça, Rab là, ça. Il taqarraba. Il y a bishibrin. Taqarrabtu ilayhi zira'an. C'est lui qui approche avec moi un pouce. Moi, approche avec lui un pied. Wa in taqarraba ilayhi zira'an. Taqarrabtu ilayhi ba'an. C'est lui qui approche avec moi un pied. Moi, approche avec lui un mètre. Et il continue pour dire, wa in atani yamshi. Celui qui marche, il vient vers moi. Moi, je galoupe, je viens vers lui. Et tu es harwalatan. Je galoupe, je viens vers toi. Celui qui marche, il vient vers moi. Moi, je galoupe, je viens vers lui. C'est ça, rabla ça. Un rab qui tout le temps, c'est ma yatan. Nous fait premier pas. Nous fait premier pas, nous fait 10. Nous fait beaucoup plus que ce que nous fait. Si nous fait, ça fait mal avec l'état d'esprit qui bizin. Avec l'intention qui bizin. Si je garde rosa, y'a rabba, je garde rosa, je gagne tout l'amour. Je gagne ta quoi. Je développe une relation spéciale avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, quand on rentre dans sa dimension là, c'est là que Allah t'a fait, ça ne disparaît pas. Mais si je garde rosa, je connais, 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 je Niyat sa rosa, c'est mérité. Et là, quand on comprend sa dimension d'amour, là, c'est ça qui est central là-dedans. Qui sa un rakat nafil, c'est un pavé l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que mon ibadat est sensé. Et là, nous sommes capables de comprendre aussi. Quand là, un sahaba, Abdullah ibn Amr ibn al-As, il vient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Rasulallah. Wallahi, par Allah, la asoumanna annahar. Je garde rosa pendant toute la journée. Voilà, akoumanna al-layl. Et je garde, je fais qiyam al-layl, je fais ibadat pendant toute la nuit. Ma ishtu. Aussi longtemps que je suis vivant. Je ne comprends pas. Un sahaba qui vient avec le prophète, il garde rosa pendant toute la journée, c'est ce qu'il vit. Toute la journée, c'est-à-dire dans le week-end, dans samedi, dimanche, 365 ou 365 jours, c'est ce qu'il vit, je garde rosa. Je me pose la question, il y a un. Qu'est-ce que tu dis, mon petit produit, un sahaba là ça? Est-ce qu'il veut mieux dire comme moi, un bal l'Afghane, un peu les eaux, un peu dit ça? Ou ça c'est pas un monde spécial, un monde bionique, un superman? Quelle différence? Comment expliquer qui ça man là? Je suis capable de venir avec le prophète, faire promesse, wallahi, au prophète, je peux faire serment au nom de Allah, qui garde rosa tout le long de la vie, autant que je peux vivre. Je veux dire, 20 ans pour vivre, 25 ans, 30 ans, tous les jours, 365 jours, je peux garder rosa. Et je faire ibadat pendant la nuit. Toute la nuit, c'est ce qu'ils vont vivre. C'est quand le prophète disait intervenir. Non, Abdullah va faire ça. Avec négociation, tombe d'accord. Som yaouman ou after yaouman. Ok, garde rosa un jour te poser. Tu gardes lundi, te poses mardi. Tu gardes mercredi, te poses jeudi. Tu gardes mardi. Un prophète disait intervenir pour arrêter. Qui fait? Quelle différence? Nous, on va dire, hey, comme aujourd'hui, tac là, que me reste encore? 25, resté. Hey, comme fait, on va attendre, oui, ou gratter, pas facile, vous êtes pas, hein? Il y a moins 20, encore le 8. Pour le 20, là-bas, il y a 10, finis, mais de haut, avec le compte mathématique, 8, il y a 20, moins 20, 12, il va arriver, moins 10, 15. Comment est compté de la masse? Right? Parce qu'il y a une dimension qui est absente, c'est l'amour. L'amour, ça, c'est un balade, tu parles comme moi, comme moi, mais c'est ma seule différence qu'il y a dans ce lequel c'est l'amour, Allah. C'est ça qui sens tout. C'est ça qui sens tout. Nous vivons dans l'île Maurice, c'est place que dans le Ramadan plus facile de sa planète là. Dans l'Angleterre, dans la France, maintenant vous dites au 15e temps, 16e temps, Canada 17e temps. Là-bas, vous avez 6 enfants, 6 ans, garde rosa. Vous avez 6 ans, garde rosa. Quelle différence? C'est l'amour Allah. C'est la motivation. C'est même qui une motivation là. Quand, Ban Sahaba bien assisé, chacun peut poser question aux autres d'une façon bien casual, aux autres même informels. Chacun dit quelque chose qui est content, hein? Ça quand peut dire quelque chose de plus content. On dit maman quelque chose de content. Tu maman content, tu as une bonne brigade. Finissant tu as une bonne verbe. Si pour tu as une bonne halwa, ce petit cerise là haut. Pour quand tu as un sofa où t'aller. C'est dit on dit maman vous dit ça. Les Ali de Allah on se trouve vidi quand il y a Ali qui se trouve plus content. Tu as maman content encore rosa dans un jour que dans chaleur intense. Quand dire chaleur intense dans l'arabie, ça veut dire 52 degrés. 53 degrés dans un jour. Tu as maman content encore rosa. Dans un jour, quand le salaire est intense, je ne comprends pas. Il y a
Quelle différence qui tient entre moi et Kali? Comment il est capable de faire mon compte, rentrer, triple? Mon plaisir, il est dans des vies triples, il est plaisir. Non, parce qu'il est vivant par la force de son équerre. C'est ça, ribadat. Tout ribadat que vous faites, ou tiner ribadat, pas par la force de l'équerre, mais par la force de l'équerre. Si ça m'a dit, mon bétiné Rosa, 16 ans, 17 ans, dans le Canada, c'est pas par la force de ce bol soudi. C'est pas par l'onguer, je dis ma baguette, ça. C'est pas quand c'est l'amour pour Allah qui n'a de toutes les guerres. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Ben, madame Damadina, il s'appelle pour monsieur, ma madame. Ben, madame Damadina, Aïcha radiallahu anha, qui ben, madame Damadina, nous comptons, God Rosa, dans un jour que le salaire intense, nous me disons que le salaire intense, c'est 50 degrés. Nous, Mauricien, nous ne sommes pas capables de comprendre 50 degrés. 30 degrés, comment se tombe sec? Ou tiens, mon salaire, on mettait à con, 30 degrés. 31, 32 maximum. Là-bas, nous me disons 50 degrés. 50 degrés. Et, et son longueur, nous avons fait un ombre dans l'Arabie pour connaître. Aïcha, madame de Madina, je dis que nous passions ces gardes dans un jour, quand le salaire intense dans l'été, quand le salaire a tapé, nous prenons plaisir dans le rosa dans cette période-là. Quand je dis, je qui fait? Il dit, quand un lâche, son prix est bon, c'est tout le monde payé. Mais quand son prix vient de c'est une élite qui paye. Une super réponse. Super réponse. Quand Ramadan vit dans l'hiver, tout le monde garde, c'est facile ça, 17 ans, 12 ans, badinal ça. Mais God, Nafil, quand il vient dans, quand il vient 15 ans, 16 ans, dans une température 50, 53 degrés, c'est là qu'il connaît, c'est là qu'il connaît son prix. C'est ça qui est l'élite. Ça, c'est le monde qui tient à dos Allah avec plaisir, avec passion, avec l'équerre. C'est ça qui nous est capable de comprendre. Quand nous mettons cette dimension, l'équerre là dans nos rosans, c'est là que nous sommes capables de comprendre. Qu'il nous regarde ça pour un rab qui est extra content nous. Qui a le wadoud, c'est lui-même l'océan de l'amour, si Allah subhanahu wa ta'ala. Si dans les comptes en haut, qu'il est fait avec une déclaration d'amour qui n'est jamais ni au fiancé, ni au madame, ni au Saint-Valentin, ni au Noël, jamais pas de Dieu. L'indien, quand c'est qu'il me compte en toi, c'est qu'il sent l'odeur désagréable qui sort dans la bouche du monde qui rose. Le plus agréable à moi qui peut faire muscle. Subhanallah. Ça s'appelle déclaration d'amour. Ça, quand tu me contentes là, ça l'odeur désagréable, qui est dégoûtant, qui te madame pas capable de chini, te maman qui t'entend, tu dis, lave la bouche, tu as pas de cause en moi. Allah dit pour moi, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ma walladi nafsu Muhammadin biyadi. Pour celui qui a la vie de Muhammad dans son âme, la khaloufu fami sa'im atyabu indallah min rihil misk. Subhanallah. Ça l'odeur désagréable qui saute dans la bouche du monde qui rosa, le plus agréable à Allah qui peut venir. C'est quoi ça? C'est l'amour. L'amour d'une intensité qui est inimaginable. C'est ça qu'Allah révèle de nous l'opportunité à travers Ramadan. Développe, rentre dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Développe une relation spéciale avec Allah, comme manière à travers adorer Allah avec les cœurs. Pas prendre Ramadan comme un calvaire, pas considérer l'ibadat comme une pénitence, mais adorer Allah avec passion. Comme on finit faire un Zohar, ou bien Maghrib, ou bien n'importe qui l'a dans la journée, je viens hier à faire 10 rakat na fil pour toi. Parce qu'il m'a besoin de tout l'amour. Je fais ça avec passion, avec l'équerre. Dans chaque namaz, je voulais plus long surah qui me connaît. Dans chaque roku, je fais 15 fois Subhan Rabbi al-Azim. Dans chaque sijida, Subhan Rabbi al-A'la, 15 fois. Qui fait hier à Rabbi parce qu'il m'a besoin de tout l'amour. C'est là qu'il n'est pas capable de comprendre. Quand Abdullah ibn As dit, Abdullah ibn Amr ibn As dit, hier, je vais faire ibadat toute longue de la vie jusqu'à qu'il m'a mort. Je parle dans la tête. Qu'il y a mon lèvre tous les soirs jusqu'à qu'il m'a mort. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une expédition. Il met dizaines. Amar ibn Yasir avec Abad ibn Bistr, d'un jour comme l'autre, pour faire l'expédition, l'armée peut descendre. Il arrive à une place à soir pour rester. Il met tous les dés pour veiller quand. Musulmans. Ça dit là, en ce même, comme d'accord, Abad, j'ai avec le Ramar, et tu es dormi toi, une partie, moi veillé. Après, deuxième partie dans la nuit, moi dormi toi, tu veillé. Maintenant, d'accord. Ramar dormi, Abad, bien veillé, il commence une mince. Commence une mince, un l'ennemi. Un soldat l'ennemi, il peut faire un musulman, il reste trop, un musulman, il campe. Il vient, il trouve un quelqu'un qui peut faire une mince, dans le noir, à soir. Il tire sur flèche, il y a un premier coup de flèche. Abad peut faire un amas, il sent la flèche là transpercer. Il continue à faire un amas. En théorie, c'est simple ça. Donc, imagine une fois que tu peux mourir, c'est l'eau, une bouteille cassée, une pièce au soulier, une tous ses bouts talons. Quand tu sautes ou tu sautes,
qui est que tu dire avant si on va se tirer au soulier de la maison tout le monde qui peut répondre de talent tient bout de jeter ici elle l'ennemi rempli avec la haine et la rage dit tient coup de flèche right ça déchire son en dedans dit continue phénomène dit gagne deuxième coup de flèche dit continue phénomène dit gagne troisième coup de flèche là il fait roku il fait sijida il termine son amas il lève amar il tire flèche à un point amar dit tout de suite enlève moi qui est arrivé tous les deux sont de haut l'ennemi l'a sauvé les gens en bas tout de suite enlève moi dit non moi tu peux lire sur la kahaf. Et pour rien au monde, nous n'avons pas envie de faire roukou avant de terminer sur la kahaf. Le troisième coup de flèche, mon mazine sécurité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mon dieu, si mon arrivée comprend que si mon mot en place, je peux mettre la vie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en danger, ben la kahaf est la taxe prise. C'est l'amour au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait moi arrête sur la kahaf, faire roukou, faire sisda, mon lève-toi pour nous guider kina. Imagine ça dimanche là. C'est que dans ce moment-là, plaisir sur la kahaf, c'est si plus intense que trois flèches qui transpercent sur les corps. Il continue à faire sur la main. Quand il imagine que le prophète Mohammed semble sur la vie en danger, parce que c'est le mot là, il y a la tête, il y a la tête, il termine sur la main, il lève en main. Pour nous, en théorie, c'est simple ça. Vous dites, Mansarabat, c'est un modèle superhumain. Mais ici, ramène ça dans nos dimensions. C'est l'amour, Allah. Ici, c'est l'amour pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour pour le Coran. C'est ça que Ramadan vient offrir moi et vous. Sa potentiel, sa opportunité pour adorer Allah avec passion, avec l'équerre, avec l'amour. Parce que dans chaque sacrifice, chaque seconde sacrifice qu'il nous fait, il y a sa potentiel pour rendre l'amour Allah, subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce qui nous l'objectif aujourd'hui, c'est de faire nous comprendre avec quel état d'esprit nous besoin adorer le Ramadan. Le Ramadan, ce n'est pas un calvaire, ce n'est pas une pénitence, ce n'est pas une punition, ce n'est pas Alcatraz qui est ouvert pendant 30 jours. Le Ramadan donne-nous sa opportunité pour nous rendre dans sa équipe, dans sa groupe select, pour qu'il gagne l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque effort que nous pouvons faire dans le Ramadan, ça rabla des conscients, nos rosas, nos sacrifices, nous lecture Coran, nous namaz, nous sadaqa qui nous peut faire, vivre pas dans la routine, pas parce qu'il nous a habitué à faire. Non, la routine, c'est un danger pour l'amour. La routine, c'est un véritable poison pour l'amour. C'est que dans l'amour, tout le temps, il faut donner le sens. Le sens de Ramadan, c'est l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Vivre le Ramadan avec ça, l'objectif. Ya Rab, je vais garder Ramadan pour gagner tout l'amour, pour gagner taqwa Allah. Faire que chaque namaz que vous faites, chaque un rakat que vous faites, de clair dans la tête, il y a un rakat, sarakat, il y a un jumma, des rakat faraz, il y a un rakat pour gagner tout l'amour. Vous faites quatre faraz, namaz, asar pour gagner tout l'amour. Après maghrib, vous faites des rakat sunnat, il y a un rakat pour gagner tout l'amour. Après isha, vous faites 20 rakat tarawih, il y a un rakat pour gagner tout l'amour. Vous vous levez dans un soir, vous vous levez dans l'occasion de faire un hajjoud, même quatre rakat pour gagner tout l'amour. Et dans tout cela, mazine dans nos relations avec Allah, bisna doa. Doa, diman doa pour tous ceux qui ont envie, mais pas oublier sa boutle. Allahumma inni as'aluka hubbak. Wallah, diman doa tout l'amour. Wa hubba man yuhibbuk. Et l'amour de man qui compte en toi. Wallah, amal allazi yubaldiruni hubbak. Et guide-moi vers ma action qui fait ma gagne tout l'amour. Ça, c'est central de nos messages, ça. Quand nous comprenons cette dimension de l'amour-là, c'est là que dans tout nous, dans nos relations avec Allah, dans toutes nos actions, même ça qui est plus simple, pour une assa, l'ordre, pour une dévotion, pour une enthousiasme, pour une passion, et surtout dans nos recours, dans nos sijda, garde en tête qui nous peut faire recours pour nous gagner l'amour Allah. Nous faisons sijda pour gagner l'amour Allah. Quand nous sommes sadaqan, ce n'est pas pour la routine. Non, nous faisons ça pour nous gagner l'amour Allah. Quand cette dimension-là présent, là qui nous capable de comprendre ça. C'est un mécanisme qui m'amène à avoir opéré. Nous avons compris cette logique dans qui j'ai opéré. Comme manière, quand j'ai connu l'amour Allah, pour tout sacrifice si possible. Qu'ils soient capables de briller les autres la journée dans Rosa pour gagner l'amour Allah. Et Amr, qu'ils soient capables de briller sur la nuit dans Ibadat, dans Sijda pour gagner l'amour Allah. Qui paraît comme madame de Madina, paraît comme Ali radiallahu anhu qui est salivine, nous commençons à adorer Allah avec l'amour, avec passion. Ibadat, pas vite un corvée, Ibadat, pas vite un fardeau.
ibadat vient un plaisir quand on comprend qui dans chaque ibadat il y a un amour. Nous demandons qu'il m'ait pour que Allah donne nous cette occasion pour nous gagner sur l'amour dans ce mois-là, qui nous consolide de taqwa, qui nous réussit dans nous man quelque chose qui est positif et en même temps nous réussit brille débit dans nous tout ce qui est négatif, tout ce qui est cabossé, tout nous man manquement, tout nous man défaut et qui nous saute dans Ramadan, man plie bon musulman, man dit monde qui plisse. Prier avec Allah subhanahu wa ta'ala, ben dis-moi qui adore Allah avec plus l'amour, plus passion et en même temps dans nous sommes en dehors de Ramadan, ben dis-moi qui moins mauvais, moins accaparé, moins gourmand, moins égoïste, moins arrogant, qui dirait si tire ben défaut qui nous a donné. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.